Eh bien bonjour, aujourd'hui on parle manga. Little Witch Academia est sorti en série d'animation en juin 2016. Ici, on lâche un peu notre vie monotone et on vient suivre l'histoire d'Ako Kagari, jeune fille passionnée par la magie depuis qu'elle a vu un spectacle de Shiny Chariot petite. Elle décide alors d'étudier à l'université de Luna Nova, une école pour les jeunes sorcières, où la magie est réservée à une poignée d'initiés. Mais n'étant pas d'une famille qui pratique la magie, la jeune Ako, avec l'aide de ses nouvelles amies Lotte et Souci, ne pourra que s'accrocher à ses ambitions et à sa détermination, et ce, via diverses péripéties. Little Witch Academia est très agréable à regarder, un manga doux, sympa, magique, très beau, qui change un peu des mangas d'action et de baston. Avec une bonne dose de feel-good, d'empathie avec le personnage d'Ako, qui est maladroite mais pleine d'espoir, on s'attache très facilement à elle et à son désir d'être une sorcière, dans un monde de privilégiés, d'élite malgré tout. L'identité graphique du manga est toute douce, très agréable. Bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser au personnage d'Harry Potter qui découvre, émerveillé, autant que Ako, ce nouveau monde et qui va tenter d'en apprendre les subtilités en même temps que nous. Mais ici, pas de plagiat, un gentil hommage à la limite. Mais le mystère est malgré tout bien présent. En tout cas, Little Witch Academia vous séduira, je l'espère, et vous fera réaliser que votre magie, c'est celle d'y croire. À demain !